déjà ouvert un premier restaurant il y a 12 ans dans le centre-ville qui s'appelle Les Vendanges, qui est un petit bistrot parisien. Et j'ai ressenti dans la clientèle qu'elle avait besoin de confort, d'espace. Et moi aussi, en vieillissant, j'avais besoin de plus de confort aussi et d'amener vraiment ma passion, c'est-à-dire le vin, les produits du terroir. En gros, pour moi, c'est une montée en puissance. Je réunis tout ce que j'aime dans un grand espace. Donc moi, c'est pas une chaîne, on fait vraiment que du frais. Et on fait au maximum travailler les gens du terroir. Les rencontres avec les producteurs, tout ça, c'est intéressant. Dès qu'on va sur les grandes plateformes et tout, il n'y a plus de charme, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de... Qu'est-ce que je raconte au client, quoi? Qu'est-ce que je lui dis? Ça vient d'où? Ça vient du supermarché? Ça vient de... Ah non, non, je peux pas. Pour ce projet-là, j'étais vraiment satisfait du Crédit Agricole Brit Picardie parce qu'ils nous ont... ils ont été à fond dans mon projet, ils y ont cru. Ils ont cru au bonhomme, donc ça fait toujours plaisir quand on croit au bonhomme plus qu'au concept et au projet qui est sur un bout de papier. Dès que j'ai un problème, j'appelle et c'est t'inquiète Germain, on va s'arranger, on va se débrouiller. Il y a eu une ou deux fois comme ça où peut-être qu'une banque quelconque m'aurait posé plus de problèmes qu'eux, ils ont vraiment la foi, à chaque fois ils ont confiance. Et ben, quand on est sociétaire au Crédit Agricole, on a l'impression à un moment de devenir presque un banquier. Parce qu'il y a des décisions qui se prennent en groupe, et voilà, on a l'impression d'exister, de ne pas être qu'un numéro. On donne de l'argent à la banque et que ça sert aux gens du territoire, du coin, je trouve que ça fait vraiment solidarité, quoi. Il y a vraiment un circuit court et un cercle, quoi. Enfin, ça revient, ça part, mais ça reste local et on s'entraide tous, hein, au final. Le livret sociétaire « J'aime mon territoire » est pour moi quelque chose de très bien, de très innovant, puisqu'il participe déjà à une économie locale. Tous les sociétaires peuvent apporter des fonds, mais qui servent à créer des projets du territoire autour de nous. Donc il y a un côté solidaire, il y a un côté territorial, et puis il y a un côté entraide.